J'ai les 100 000 euros. Alors, ça y est, il a posé son manteau, notre huissier. Le tirage au sort va démarrer. Stan, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le tirage au sort est en train de démarrer. Julien, tout le monde est en ébullition ici au standard RTL. Vous avez Maître Madjar, notre huissier de justice, qui est en train, à l'instant, d'essayer de regarder un peu. Enfin, il tire au sort dans la liste, évidemment, tous les gens qui nous ont appelés. Vous pouvez imaginer qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. Donc, il tire au sort et normalement on annoncera le gagnant d'ici une grosse vingtaine de minutes. Alors, Maître Madjar, là maintenant tous ceux qui ont joué est en train de chercher, mais enfin mon frère a appelé, elle est où sa fiche? Il n'y a pas une fiche avec Jean-Pierre Madjar? Mais si, cherchez-la, c'est lui qui a gagné. Bon, alors laissons-le chercher la fiche et nous allons bien voir dans quelques instants qui a gagné. Est-ce que vous pouvez m'annoncer déjà, Stan, que le tirage au sort est fait, que nous sommes prêts à faire le numéro? Le tirage au sort est prêt. Le tirage au sort, bravo. C'est la, si vous voulez, c'est l'excitation. Moi, j'en peux plus. J'ai envie de savoir, de connaître le résultat. Donc, le tirage au sort a bien été effectué. Julien, Maître Madjar vient de nous transmettre une fiche. Céline est en train de rentrer le numéro dans la machine. Nous allons pouvoir le lancer en direct sur RTL. Alors, Céline, vous me faites un petit top dès que vous avez le numéro dans la machine et que vous êtes prête à appuyer sur Start, ce qui va déclencher le numéro. Auquel cas, je demanderai le silence le plus absolu, car nous allons dans notre tête compter les sonneries. Le règlement est très clair. Si une fois que ça a sonné 10 fois, personne n'a répondu, on coupe immédiatement et on appelle une deuxième personne. Est-ce que vous êtes prête, Céline? Oui, je vous donne le temps. Alors attention, mesdames et messieurs, qui va se retrouver dans quelques minutes avec, écoutez bien, un chèque de 100 000 euros? Vous êtes près de votre téléphone? Voyons s'il va sonner. Top départ. C'est parti. Nous attendons les sonneries. Oui, allô? Ah bah... Il était assis sur le téléphone. Excusez-moi, monsieur. Vous répondez aussi vite comme ça? Non, pas d'habitude, non. Ah bon, d'accord. Mais quel est votre prénom déjà, monsieur? Alexandre. Ah, je crois qu'on doit avoir une erreur. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis militaire. D'accord, mais vous êtes dans quelle ville, là? À Autun. Ah ouais, mais vous n'avez pas participé au jeu des 100 000, parce que je crois qu'on a une erreur de fiche, là. Vous avez participé? Si, je reconnais votre voix. Oh oui, mais je sais bien. Mais moi, je ne reconnais pas la voix. Normalement, c'est un cousin qui devait gagner. Monsieur, vous venez de gagner 1000 euros par mois pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel rêve avez-vous envie de réaliser? Parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie. Eh ben, je vais pouvoir faire des beaux pleins avec des litres qui sont à 2,50 €. Ah, c'était... Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de l'époque que l'on vit? Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Aujourd'hui, il pourrait dire, je vais acheter un bijou, je vais m'acheter... Non, je vais faire le plein. Bon, allez, une fois que vous auriez fait le plein, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Pardon? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez vous offrir avec? Bah, je vais m'acheter une belle maison pour payer le loyer. Voilà. Ah bah voilà, vous allez pouvoir payer un crédit. Alors, comme vous avez maintenant 100 000 euros, même 120 000 euros, vous avez plein de nouveaux amis qui vont arriver. Ah, il y en a un qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Alexandre. J'ai un super coup à vous proposer pour les 100 000, là. Je suis en train de lancer une marque e-commerce de fringues magnifique. On est 3 associés, 50-50-50, ça vous tente? Ça fait 150. Non, c'est bon. Un nouvel ami vient d'appeler, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, frérot. Oui. Dis-moi, c'est juste pour me dépanner, j'aurais juste besoin de 90 000. Non mais, on essaie de vous préparer, hein, parce que ça va arriver dans les jours qui viennent. Merci, monsieur. Et bravo à vous deux, en tout cas, ces cours d'acteurs studio marchent bien. On a bien fait d'investir là-dessus. Bon.